Bonjour, aujourd'hui vous allez aimer parce que il n'y a pas un pouce de vent et donc la qualité sonore sera de bonne qualité. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On est déjà quel jour? On est mercredi 14. Mercredi 14, hein, dimanche 11, lundi 12, mardi 13. Aïe, c'est ça, 14. Et c'est laborieux. Hein. Et c'est ça quand on vieillit. Le cerveau commence à rouiller. Alors aujourd'hui, nous allons parler du mercredi des cendres. Ah, je ne vais pas vous parler de la Saint-Valentin, dont je n'ai absolument rien à foutre, mais je vais vous parler du mercredi des cendres, qui est bien plus important que la Saint-Valentin. Pourquoi, allez-vous me dire? C'est quoi ce truc du mercredi des cendres? C'est quoi ce truc de curé qu'on entend encore un peu parler et qui finalement s'est perdu dans la mémoire et que beaucoup de jeunes générations vont leur parler du mercredi des cendres, évidemment, à part les cathos pratiquants, sinon le reste, voilà, c'est très loin, très compliqué. C'est une vieille histoire, ce mercredi des cendres. C'est une vieille histoire et c'est un vieux rituel. C'est un rituel sur lequel il faut s'attarder. Non pas sur le plan sur le plan de la morale, ne pas en faire une. Il ne faut pas en faire un principe moralisateur, comme toujours d'ailleurs. Dans l'Église, il y a eu cette tendance, je le voyais ce matin en lisant le missel, je voyais qu'il y a toujours cette tendance dans l'Église de moraliser. Quand vous moralisez quelque chose, c'est que déjà vous avez perdu le sens de sa profonde signification. Parce que dans toutes ces choses, il n'y a pas la place. Il n'y a pas place à la morale. Une voiture qui arrive, c'est pas grave. Jamais. Il faut savoir que dans tout procédé alchimique, parce qu'il s'agit d'alchimie, le principe moral n'existe pas. Moral au sens moderne, au sens où je fais du bien, je fais du mal, je suis pécheur, vous voyez, c'est là où je veux en venir. Donc, on n'est pas dans ces critères ni dans cette notion-là. Et il y a beaucoup de confusion à propos justement des rites. Il y a beaucoup de confusion à propos des rites catholiques, mais même que ce soit des rites religieux, il n'y a pas dans le rituel de la place à faire de la morale. Ça, c'est très contemporain comme perspective, comme notion. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'être disposé à... Le fait d'être ouvert et de comprendre intérieurement le rite, fatalement vous conduit à une forme de moralité, de discipline, je dirais, qui est en elle-même est morale, si vous voulez. Mais le but recherché n'est pas la morale, ni la contrition, ni toutes ces questions de culpabilisation par rapport à un péché. Tout ça est une architecture qui a été plaquée sur l'Église et qui malheureusement l'a fait dévier de son sens profond. L'Église, vous savez, avait pour but de transmettre des rituels qu'elle avait reçus d'autres civilisations, et elle les habillait avec ce qu'on appelle le christianisme. Mais ça a toujours des racines, toujours plus loin. Si vous voulez, il n'y a rien de neuf, si vous voulez, dans le rituel catholique. Il y a simplement un habillage culturel, un habillage qui cache parfois même la signification profonde du rite en question. Et aujourd'hui, nous sommes le mercredi des cendres, c'est-à-dire c'est le premier jour déjà du carême. Carême, qu'est-ce que ça veut dire? Première question.
Ensuite, ça va durer 40 jours, puisque les dimanches ne sont pas considérés comme des jours de carême. Donc, en fait, vous avez 40 jours jusqu'à Pâques. Et vous avez, dans le chiffre 40, également une signification. Tout est signification, en réalité, tout. Et donc, vous rentrez dans un processus de transformation. Vous êtes dans un travail d'enfantement. Vous êtes dans un périmètre où quelque chose va travailler en vous. Et c'est cette période du carême, c'est la signification de cette période de carême où il y a un travail en vous qui doit se faire, de transformation, de métamorphose. Je dirais que les 40 jours, c'est le travail de la métamorphose. C'est là où votre corps se transforme, où votre corps laisse place à ce qu'on appelle l'âme, qui est une autre partie de vous-même qui elle-même est souvent cachée, est souvent écrasée par la vie matérielle que vous menez. Et normalement, la période du carême est pour révéler l'âme, et pour la révéler, l'éveiller. Et ce n'est pas du tout un travail comme on l'a présenté, quand vous parlez de jeûne, vous présentez ça comme une discipline presque accablante, presque repoussante, alors que il n'y a rien de tout ça. C'est un principe simplement qui consiste à basculer intérieurement et de donner la place à cette partie de nous-mêmes qui en général est étouffée. Donc on a cette rituel aujourd'hui qui va dans le même sens, qui consiste à brûler. Les rameaux, si vous voulez, sont brûlés et on obtient des cendres. Avec ces cendres, on utilise ces cendres et le prêtre, normalement, qui officie, le maître du rituel, celui qui dirige le rituel et qu'on appelle le prêtre, touche ces cendres et fait un signe de croix sur votre front. Alors, tout ça, évidemment, c'est aujourd'hui, rien n'est décodé de cette opération-là. Mais cette opération-là, elle a un sens profond, puisqu'elle consiste à opérer sur vous un geste quasi magique, presque inspiré de rites beaucoup plus anciens, qui consiste à produire chez l'humain une métamorphose, c'est-à-dire qu'on a inscrit sur lui, sur son front, qui n'est pas non plus, si vous voulez, pris au hasard, c'est entre les deux yeux, c'est là. Donc il y a l'emplacement est en lui-même important, mais si cet emplacement a été choisi, c'est qu'il a son importance au niveau physique et physiologique. Ensuite, le fait de faire le signe de croix est un geste également magique, est une technologie ancienne, technologie qui était employée à fin d'être efficace. C'est pas symbolique, c'est symbolique, mais pas que, c'est efficace aussi. Ça veut dire que ça va pénétrer un endroit précis, cette cendre va pénétrer votre corps et donc va signifier une forme de métamorphose de votre être. Et en fait, la cendre qui est issue des rameaux, eh bien, va donc consister à introduire ce qu'on appelle un cycle. Et le cycle est donc inscrit dans ce rituel pour aujourd'hui signifier que vous redémarrez et vous refaites, si vous voulez, vous reprenez la démarche. C'est-à-dire qu'après avoir accompli plein de choses au cours de cette année, aujourd'hui il y a un cycle nouveau qui commence, et ce cycle nouveau commence par ce rituel très très ancien qui ouvre en vous une porte. En fait, il s'agit d'ouvrir une porte, voilà. Une porte grâce à ces cendres qui sont le fruit du feu. Vous avez consumé, quelque chose a été consumé, et les rameaux en question ont aussi leur signification. Ce qui veut dire que dans ce procédé alchimique ancien, il était question d'ouvrir une porte et de conduire l'humain
à se métamorphoser et à ouvrir et à découvrir la nature de son âme. Parce que pendant ces 40 jours, c'est un travail de découverte, d'approfondissement et d'introspection. C'est exactement un exercice sur lequel on ne peut pas rester évidemment toute l'année, mais il a son utilité à un moment donné. Et le temps est là pour simplement faire en sorte que ces principes-là se succèdent et opèrent. C'est une opération, et cette opération, elle permet donc à l'homme de pénétrer en lui et d'une certaine manière de mettre un peu son ego de côté pour laisser jaillir l'âme qui est une forme de une autre partie de lui-même. Il y a du vent. Alors là, ça va. À chaque fois qu'il y a un peu de vent, je sais que ça souffle dans le micro, c'est désagréable. Et donc du coup, vous avez une sorte de vase communicant en vous qui fait que la partie égotique, l'ego, se laisse la place à l'autre partie. C'est une opération très délicate. Pourquoi ? Parce que c'est une opération, c'est pour ça que normalement elle devrait être conduite avec précaution, puisque ce sont des opérations qui nécessitent, si vous voulez, un grand équilibre. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à notre humanité, un équilibre pour procéder ainsi. Vous savez, le chemin spirituel, il nécessite vraiment un équilibre. L'équilibre, c'est l'équilibre des éléments. Et quand vous faites une opération de ce type, qui est une opération, je dirais, de laboratoire quasiment, c'est-à-dire vous êtes comme dans un laboratoire, sauf que ce laboratoire, il est alchimique, eh bien, vous devez peser les choses et les ingrédients avec précaution. Et si vous faites une erreur, ça brûle. Si vous faites une mauvaise manipulation, ça brûle. Si vous faites un défaut, si vous avez un défaut de concentration, ça brûle également. Tout cela doit être opéré méthodiquement, suivant certaines règles, avec précaution et donc attention. Ce sont des procédés qui autrefois mettaient du temps à être faits. En tous les cas, la personne qui devait exercer et faire ce rituel devait être consacrée. Et la personne qui devait recevoir ce rituel devait être également dans un état particulier pour recevoir cette formule, je dirais, de façon à ce qu'elle soit, quand on lui ouvre la porte, qu'elle s'engage dans cet espace inconnu pour elle, qu'elle s'y engage avec toutes les sécurités, si vous voulez. C'est comme dans ces films d'aventure ou fantastiques où vous pénétrez dans un autre monde. Il est évident que quand vous pénétrez dans ce monde-là, il faut y aller d'une certaine manière équipé. Si vous n'y allez pas équipé, ben vous risquez de vous égarer, de devenir fou, de vous perdre. Et donc c'est là qu'on doit avoir conscience que ces rituels, évidemment, ont été là simplement pour accompagner l'individu dans une démarche spirituelle qui n'est pas spirituelle au sens abstrait, mais qui est vraiment spirituelle et matérielle. Et ce que nous avons perdu comme sens, c'est le sens de la matérialité dans le spirituel. On n'a pas compris que la spiritualité était également matérielle et que nous sommes dans un monde matériel et que c'est à travers la matière et le corps que la transformation également se fait et le cheminement se fait. C'est très important de percevoir ces questions-là de façon à ne pas rester comme des êtres illuminés ou fanatisés ou en une forme ou dans un délire mystique, si vous voulez, parce qu'on est vite pris dans un délire, on est vite pris dans une mauvaise interprétation, on est vite décalé, déséquilibré, et du coup, en perdant l'équilibre, on n'a plus, si vous voulez, un rapport à la vie correct, normal, et les autres constatent que nous sommes évidemment un peu décalés, ça se voit.
nous sommes perturbés, nous sommes plus en phase. C'est pas la psychanalyse qui va nous aider forcément dans ce domaine-là à retrouver l'équilibre. Je crois beaucoup plus à l'accompagnement matériel et spirituel, c'est-à-dire les deux conjugués. Aussi, la psychanalyse peut intervenir, mais à petite dose. En tous les cas, tout ça doit être dosé avec précaution pour remettre le candidat, je dirais, sur la voie. Parce que quand vous perdez la voie, c'est très compliqué de la retrouver, très compliqué. Et vous trouvez peu de gens aujourd'hui capables de vous remettre sur la bonne voie, très difficile. Parce que remettre sur la bonne voie, il ne faut pas l'interpréter d'un point de vue moral, il faut l'interpréter d'un point de vue spirituel et également presque physique. Il s'agit de retrouver physiquement et spirituellement son chemin, qui n'a rien de moral. Il ne s'agit pas d'être sur la bonne voie en disant « je vais faire du bien à mon prochain » et tout ça, non. Au contraire, ça peut passer par une forme d'exorcisme de vos démons intérieurs, et une fois que vos démons sont sortis de vous, même si ça fait mal, même si ça a un effet spectaculaire et désagréable, parce qu'on voit notre face cachée, faire face à nos démons, c'est jamais très agréable, hein, mais c'est intéressant de passer par là, d'y faire face également, parce que pendant ces 40 jours, vous allez faire face à vos démons, vous allez faire face à toute la partie sombre de l'humain dont nous sommes constitués. Et cette partie sombre, elle participe à notre évolution également spirituelle. Mais il ne faut pas être dans le déni par rapport à elle. Il faut la voir, il faut l'observer, il faut lui accorder cette place et ensuite s'en débarrasser, mais intelligemment. Tout cela, évidemment, c'est du travail, c'est de la compréhension, très difficile de comprendre ces questions-là, très difficile de les aborder, très difficile de bien les interpréter. Je sais qu'il y a un grand défaut d'interprétation. Les choses sont toujours interprétées avec notre propre filtre, avec notre propre mentalité, avec notre vécu, nos sidérations, nos blocages et tout ça. Et ce filtre que nous avons gâche l'interprétation que nous pourrions avoir du monde et de nous-mêmes. Donc il faut savoir que déjà, il faut travailler sur ce propre filtre. Bah écoutez, le mercredi décembre, c'est ça. C'est on efface le filtre, on nettoie notre filtre de toutes les obstructions, de toutes les fantasmes, les a priori, tout. On nettoie notre filtre et on se rhabille avec un filtre nouveau. Ce qui veut dire qu'à nouveau, on revoit et on découvre le monde autrement. On le redécouvre avec un regard neuf, vierge, débarrassé de notre conditionnement, je dirais. Je ne sais pas si en approchant la question de cette manière-là, je vous offre des perspectives nouvelles, mais en tous les cas, j'avais prévu de faire cette vidéo aujourd'hui en abordant justement cette journée particulière qui est le mercredi décembre, où ce rituel dont nous nous sommes tous éloignés, hein, parce qu'il n'y a plus de prêtres qui officient, tout au moins vous avez quelques paroisses où ça se fait, mais ça se fait dans de mauvaises conditions. Le prêtre est incapable aujourd'hui de vous expliquer, de vous décoder ces questions-là. Et vous allez y aller pour certains par mécanisme, en écoutant les bons conseils du prêtre qui fera une interprétation de la question d'un point de vue moralisateur, souvent disant vous êtes des pécheurs, vous êtes cendres, vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière, enfin, etc. Il y a tout ce... En soi, dans ces propos, il y a une vérité, mais elle est travestie, la vérité, à travers les textes. Et c'est ça dont il faut se dépouiller, si vous voulez, de cette interprétation fausse des prières et des rituels qui, eux, sont au contraire des invocations et des mots prononcés spécialement pour opérer en vous une véritable action efficace et matérielle. Et ça, malheureusement, je ne pense pas qu'on vous l'apprendra. Je termine sur ces propos. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.